العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين الهادي إلى الصراط القويم المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ فخير شيخ سير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La question du temps de la prière est récurrente. Combien de temps doivent durer les prières pendant le mois de Ramadan? Il y a une règle en usul et dans la jurisprudence musulmane qui interdit toujours les excès. Le prophète sallam a dit « Halak al-mutanatta'oun » les excessifs sont perdus. Et nous avons également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel on apprend que il a appelé Mu'adh ibn Jabal, le grand compagnon que tout le monde connaît, et il l'a sermonné parce qu'il a dirigé la prière devant des gens qui avaient des besoins divers et variés, des personnes âgées, des femmes qui avaient des enfants à allaiter, etc., etc., et qu'il a lu beaucoup de versets du Coran. Et le terme que le prophète a utilisé a été très dur, parce qu'il lui a dit « Afattanun anta ya Mu'adh ». Est-ce que tu es là pour semer le trouble, ô toi, Mu'adh, alors que tout le monde sait que le Coran lui-même dit « Al-fitnatu ashaddu min al-qatl ». Le trouble est beaucoup plus grave que le fait de tuer quelqu'un, car se met le trouble, la peur dans la communauté, le désordre, c'est bien entendu un crime très 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 grave que d'ôter la vie à une personne. Et pourtant, nous savons très bien que dans la hiérarchie des péchés, tuer quelqu'un arrive en deuxième position après le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelques créatures que ce soit. Donc, faire durer les prières trop longtemps, notamment devant des gens que l'on ne connaît pas, c'est quelque chose de bien entendu pas bien. Et le prophète sallam a dit dans le hadith que « Ahabbul a'mal, afdalul a'mali adwamuha wa inqal » La meilleure des pratiques, c'est celle qui dure dans le temps, même si elle est faite dans une quantité moindre. Donc ce qui compte, ce n'est pas de rester 36 heures pendant lesquelles les gens ne vont pas garder leur concentration, mais au contraire, d'ailleurs un hadith le dit, c'est le temps nécessaire qui, bien entendu, nous permettra d'avoir une concentration maximale et savoir surtout que nous sommes au contact de notre Créateur lorsque nous entrons dans la prière. On pourrait également parler longuement, disserter sur la notion de tarawih. Que veut dire tarawih? Mais ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que le milieu, le juste milieu, est bien entendu la caractéristique principale de notre communauté. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est ce que Dieu, c'est ainsi que Dieu nous appelle, la communauté du juste milieu. Donc, ni trop long, ni trop court. Nous sommes bien entendu dans ce qu'on appelle المتوسط أو التوسط أو الوسطية. Nous sommes donc dans le juste milieu, donc pas trop long ni trop court. L'entre-deux, de ce point de vue-là, est meilleur. Et d'ailleurs, en arabe, on dit وسط الجبال, وسط الجبل أعلى, le sommet de la montagne, c'est bien entendu, enfin le milieu de la montagne, c'est son sommet. Donc, ne pas faire trop long ni trop court, être dans un juste milieu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya marhaban, zayna ash-shuhur.